Alors. J'ai refait tout mon équipement et tout ça. Donc, ça devrait être mieux. On est niveau 7. Chance, force et défense. Voilà. On va aller au monde de feu. Combattre. L'armure, c'est l'armure des nains. Elle est pas mal, elle est pas mal. J'ai pris celle de Brock, un des nains. Ça augmente énormément la force, la défense et la chance. Donc la chance me permet d'avoir les activations d'atouts en fait. Donc genre quand je fais une attaque runique, une élimination d'attaque runique, il y a une forte chance d'avoir un regain de santé. Donc ça a plus de chances de s'activer, plus on a de chance. Hop, ça c'est les stats. Chance modérée d'obtenir un bonus. Voilà, ça aussi ça s'active plus souvent, plus on a de chance. Donc ça c'est cool. Donc en gros c'est comme ça que pour le moment je joue, c'est sympa. J'ai plein de petits bonus sympas. Un regain de santé à une parade, regain de santé à une parade encore ici. Voilà, c'est des stats. Donc ça va, c'est cool. Obtenu par la quête spéciale des nains. Ouais, c'est la dernière quête. Il y a trois quêtes principales des nains en tout. Enfin, secondaires, enfin, pas par rapport à l'histoire principale. C'est secondaire. Mais il y a trois grosses quêtes que les nains te donnent et c'est la récompense de fin. Ouais. Par contre, je me rappelle plus des noms, faut que je regarde. Alors c'est quoi le feu? Elle, non, ça c'est le froid. Muspelheim, c'est ça. Muspelheim. Ouais. Le palais des géants. La cinématique tease de God of War 2. Je sais pas si c'est God of War 2 qui... Merde, c'est celle-là. Qui veulent faire. C'est possible que ça soit juste des DLC hein, qu'ils vont rajouter. Hein. Ça serait possible. Allez, on va s'amuser. On va faire des épreuves. Ce que ça donne. On va faire les épreuves, on va farmer de la brume aussi après plus tard. Et on va tuer les Valkyries aussi. Oh, je vois que t'as envie de te promener dans la fournaise. Oui, j'ai envie de me promener dans la fournaise. Mais c'est ultra sombre pour moi. Hein, vache. Salut Saphir. Bienvenue. Le dernier plateau. Ouais, bien vu. Ouais, c'est vrai, Orion. La dernière fresque. Apparemment, ça serait que Kratos meurt et le fils, je sais pas, le fils, vu qu'il s'appelle Loki, il produit le Ragnarok en fait et il détruit Asgard, je pense.
Ça sera sûrement dans les prochains God of War. Quelque chose comme ça. Oh, fait chaud. Après, je suis pas sûr que ça soit en fait Kratos dans la dernière fresque. Parce que quand tu regardes les dessins de la fresque juste avant, il est blanc. Kratos, il est dessiné blanc avec les marques rouges sur lui. Mais dans la fresque, en fait, le mec, il a une sorte de kilt bleu-rouge, je crois. Mais il n'y a pas de dessin rouge, en fait, sur sa peau. Donc c'est possible que ça soit pas Kratos. Mais bon, enfin, je sais pas. Enfin, c'est... Il est différent, quoi. Le dessin est différent. Enfin, le dessin, c'est tellement abstrait. C'est... En fait, t'en déduis un peu ce que tu veux, quoi. Tiens-toi prêt. Toujours. Épreuve 1. Regarde derrière toi. Parti. Ah, il m'a rien fait comme dégâts, c'est abusé. Faut les tuer en même temps, mais ça c'est la merde. La marque rouge sur la tête dans la dernière fresque. Restez concentré. Qu'est-ce qu'on a? On a des merdes. Attention à gauche. Ok, on a ça, ça, ça. Par derrière. Et on a ça, ça marche. J'avais peur que qu'il commence à réapparaître. Il avait bien la marque. Ouais, bah c'est lui. Hein. Ouais, son Kratos est voué à mourir. Braise ardente plus 12, cool. Une autre porte s'est ouverte. Ouais, Kratos est voué à mourir au bout d'un moment. Bon, après, ça fait 3 jeux. Enfin, même plus que 3 jeux, parce qu'il y a eu d'autres God of War. Après, maintenant, il y a le quatrième jeu, il est vieux. Et il a fait son temps, on va dire. Donc, personne ne vit ici, c'est ça? Seul un géant de feu pourrait vivre ici. Et selon la prophétie, nous n'en verrons aucun avant le Ragnarok. Nous n'en verrons aucun avant le Ragnarok. Bah, si on voit un géant, c'est qu'on est dans la merde. Désolé. Je vois bien le gamin prendre les lames de son père. Ouais, je pensais, ouais. Parce que les lames, c'est un peu l'emblème des God of War, donc à la limite. À la limite, ouais, je le vois bien prendre les lames.
a une autre épée. C'est sans doute le défi suivant. Oh, c'est... T'es malin. T'es malin, Loki. C'est parti. Survivre 5 minutes. Et voilà. Je suis prêt. Facile. Ah, il m'a touché. Parce qu'il était toujours dans l'animation. Attention, derrière toi. On va peut-être pas les tuer devant ce qu'ils arrivent parce que sinon je peux pas prendre les drops. Et après on défonce. Tellement c'est pas si facile en fait. Attention,
bouclier spartiate, ça résiste. Hein. Pas de problème. C'est pas si facile que ça en fait. C'était limite. Ah le... Ouais ça... La rune là qui permet de mettre un cercle sur le sol. Je prends moins de dégâts et ça régène ma vie. Donc... Pour ce genre de combat, c'est cool. Par contre, j'ai pas de vie. Est-ce... Ah oui, je crois que ça me refout la vie. La tenue du gamin, c'est du violet. Ouais. Et ça. J'ai envie de la changer pour un truc de soin. Au final. Peut-être. Peut-être mieux. Enfin, je sais pas. Là, il fait plus de dégâts. En... Il fait plus de dégâts quand il tire en l'air, quand il a la dernière flèche, etc. Ça commence. Allons-y. L'ennemi régénère rapidement. Ok. Si on leur écrase la tête, ça régène. Ah, je peux penser. S'arrêter là non? Je suis prêt.
big guy. Oh you. J'ai fait Ben. S'arrête jamais. Salut les guards. Bienvenue. Pas prêt d'où ils arrivent. Pas d'où ils apparaissent en fait, c'est chiant. Allez, venez. Les gants de Kratos. Ah, je me rappelle, c'est les gants. Oui, oui. D'Hercule, ouais. Il lui a écrasé la tête, il lui a écrasé la moitié de la tête avec en plus. C'est vrai que peut-être que là ça manque un peu d'armes dans le. Enfin, franchement, moi je suis content avec, avec les deux armes. Hein. Vachement bien la Mikao et les. La hache, je l'adore là. Mais c'est vrai qu'il prend moins de trophées, on va dire. Comparé aux anciens. Ah merde, j'ai appelé le truc. Je voulais pas. Oui, on peut continuer le jeu une fois qu'on a fini l'histoire principale. C'est pas un New Game Plus, on recommence pas le jeu, mais on peut continuer ce qu'on n'a pas fini. Il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas dans. Enfin, qu'il y a en dehors de l'histoire principale. Genre ce monde-là, ce royaume, t'as pas besoin d'y aller du tout. Pourquoi il y a. Il y a deux portes? What? Arène 2, arène 1-1, ok. Il y a deux royaumes qui sont complètement optionnels dans le jeu.
Et c'est des royaumes de farm et de combat en fait. Pour récupérer les meilleures armures du jeu. Et après, bien sûr, il y a combat Valkyrie, etc. Alors, oh, fait chaud. J'arrive pas d'avaler des cendres. Imagine-toi les aspirer par ta gorge tranchée. Je peux pas. Mais où est-ce qu'on va? Oh wow. C'est une cascade de lave. Ouais. Une chute de lave. Oui, et ce n'est pas du tout terrifiant, pas vrai? Normalement, on serait mort. Bah, encore heureux qu'on est des dieux. C'est bien d'être des dieux. Allez. Encore une épée. Je me demande combien il y en a. 7. Oh, il y en a 6. C'est la voix qui l'a dit. Bah merci. J'allais faire une blague comme s'il y en avait 756, mais en fait il y en a 6, ok, ça marche. Bon ça va, c'est cool. On va peut-être pouvoir toutes les faire. Prêt. Ah, des elfes noirs. Oh, le con d'elfe. Tu sais que tu vas mal finir l'elfe. Gavé. Horrible cette invisibilité, enfin cet aveuglement. Côté gauche, frère. Allez,
moi. Prends garde. Je tue vite en fait, parce qu'à chaque fois qu'il y a des alliés, il est invincible. J'ai fait une roulade dessus. Ah. Un allié restant. Salut Shadok, bienvenue. 666 épées serait plus drôle. Non. Cimier enflammé. Oh. Il y a un deuxième niveau ? Ouais, un deuxième niveau. Ok. Pas facile parce qu'à chaque fois il y a des contraintes en fait. Là ils sont déjà niveau 6, c'est déjà beaucoup plus dur. Fais ce que je te dis. J'attends tes ordres. Tuez les ennemis pendant qu'ils sont à l'intérieur des cercles dorés. Oh la vache, t'es sérieux? Je crois que ça peut être sympa pour nous en fait. J'ai vraiment l'habilité pour ça. Ça. Allez, vite. Ouais, ça peut être bon. Venez, ah venez, je vous supplie, venez. J'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre. 50 secondes. Ah, je peux les attirer, c'est vrai que j'ai oublié. Je pense pas que je vais y arriver à celui-là, parce que j'ai merdé en fait. Pouh, trop simple.
sur ta gauche. Fais pas tomber quoi. Le cercle bouge, non la vache. Les plans sont... Ah merci à tous. Ah parfait. T'as eu un en plus. Désolé, je regarde le chat après. Marrant ce truc. Ah, quand tu as fini le jeu, GG à toi. Tu as scène supplémentaire quand tu retournes dans ta maison. Oui, je l'ai même mis sur la chaîne Twitch. Merci, Saphir. Ouais, c'est l'armure du nain. J'ai créé enfin l'armure du nain. Et ce qui est bien aussi, ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est que. Une fois, si on en crée une en fait, après on peut acheter l'autre parce que à la base t'avais Blaston Royal des nains de Brock ou de.
Enfin, l'autre nain, quoi. Et t'avais une seule ressource, en fait. Un seul objet pour crafter l'un ou l'autre. Mais en fait, quand tu fais l'un, après, tu peux acheter tout simplement l'autre. Donc, voilà. Ils ont été sympas. T'as pas vraiment à faire le choix, au final. Tu peux avoir les deux. Ça, c'est cool. Mais attends, je viens pas de là, non? Non. Apparemment non. Mes mains transpirent tellement que j'ai du mal à tenir l'arc. Moi, mon nez me gratte. Moi, mon nez me gratte. Sibak. Non, c'est pas Shindy. Cindy. J'ai trouvé l'épée suivante. Bon, peut-être pas Cindy, mais Shindy. Shinda. Cindy de FF15. Franchement, je préfère les nains quand même. Je préfère les deux nains à Cindy de FF15. Vaincre sans ennemis. Ok, ça marche. Ouais. Oh, tu parlais aux petits, bien sûr. Il y a un temps ou pas? Il y a beaucoup de drogueurs ici. Non, il n'y a pas de temps, ça va. Ça, la destruction, ça me connaît. Ça, c'est vrai. Un tir derrière toi. Qu'est-ce que... Ah, putain, un vagabond. Ah, là, on va moins rire. Attention, derrière toi. Oh, le coup d'épée, il était proche. Ok, en fait, c'est fou, c'est plus jeune. Je suis presque prêt.
pourquoi je mettais du temps à le tuer. Je voulais faire un truc en fait, je voulais faire un enchaînement. Je sais pas pourquoi. Bon, ça va, il réapparaît pas à l'infini, enfin, genre sans pause. De ce côté. Il peut pas se noyer, Mimir, donc bon, on a testé. Il peut pas se noyer, donc il n'a pas vraiment de problème au final. Il n'a pas de problème pour respirer, il n'a pas de problème pour... Il est marrant, Mimir, je suis content d'avoir Mimir en fait. Je suis content qu'il ait rajouté comme ça. Entre sur ta gauche. Après on ira dans le monde des cendres. Non, de la brume. Avec le roi. Putain, on est à peine à 70. Oh la vache. J'arrive pas à faire l'enchaînement. Oh putain. Oh putain, deux fois. Pas les stuns.